Nadine veille à l'entrée du magasin. Sa propriétaire Anaïs est l'une des cofondatrices de The Woof. Avec Alexandra, cette dernière a ouvert cette boutique anicienne entièrement dédiée à nos compagnons à quatre pattes. On a toutes les deux un chien dont on est complètement gaga et pour qui on dépense beaucoup. Et on achetait beaucoup à l'étranger notamment parce qu'on n'aimait pas forcément ce qu'on trouvait à portée de main en France. Et du coup, on a eu cette idée-là de proposer des choses qu'on ne trouvait pas forcément facilement en France et particulièrement dans une ville comme Annecy. On s'est rencontrés via le compte Instagram de nos chiens il y a maintenant 2 ans. Et c'est une succession d'événements qui font que, à la base, c'était un rêve et on s'est dit, allez, on se lance quand même. Sur le fameux réseau social, effectivement, la communauté d'amoureux des bêtes à poils ne cesse d'augmenter. Un canal qui a permis à ces deux passionnés de créer bien plus qu'un magasin. De la sélection précise des produits alimentaires ou non, au conseil personnalisé, en passant par la rencontre de spécialistes du comportement et du bien-être animal, les deux jeunes femmes développent un concept qui séduit de plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie. Nous, on a envie aussi de mettre en avant, comme aujourd'hui par exemple, des intervenants qui sont locaux, des marques aussi, quand c'est possible, qui sont françaises. Après, ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, plutôt des petits créateurs, même quand c'est des créateurs européens, on a plutôt tendance à prendre des petits créateurs que des grosses marques. Ouais. En cette journée mondiale du chien, Anaïs et Alexandra ont voulu marquer le coup, encore une fois dans le but d'accompagner leurs clients dans leur relation avec leurs compagnons. Pour cela, elles ont invité des professionnels à présenter leur savoir-faire. Oran est spécialisée dans la communication animale. On va vraiment essayer d'avoir le pourquoi du comportement, pourquoi du stress, pourquoi tu te comportes comme ça en fait, qu'est-ce qui se passe. Et parfois, ça suffit à venir régler un problème en disant à l'animal, mais tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'eau, par exemple, c'est pas dangereux, parfois ça suffit. Tout au long de l'année, The Woof soutient par ailleurs la SPA d'Annecy Marlioz. Tous les mois, on met 3 animaux en avant sur notre compte Instagram et sur la partie blog de notre site internet. Du coup, on a 2 chiens et 1 chat. Donc on a commencé ce mois-ci, donc il y avait un chien qui était en SOS, un chien qui a été récupéré par une association. Pour venir en aide à ces chiens et ces chats, une tombola dont les fonds seront reversés à la SPA est aussi organisée par la boutique dès aujourd'hui et jusqu'au week-end.